Il y a 20 siècles de cela... Pardon, madame. Il y a 20 siècles de cela, ils étaient inconnus. De nos jours, il y en a un peu partout. Je pense, vous l'avez deviné, à cette bande de braves, incorruptibles, les agents anti-gang. À mes côtés se tient l'un des plus extraordinaires d'entre eux, Monsieur Fred Lafuite. Et vous savez tous. Oula, qu'est-ce que. Ave, général. Dites-moi, Monsieur Lafuite, hein? Il y a longtemps que vous en êtes. Non, mais du quoi est-ce que vous parlez, là, monsieur? De vos débuts dans la brigade. Ah, ça, nous tous, dans ce corps d'élite, sommes fiers de pouvoir dire que tous les banquiers d'Angleterre nous font des ponts d'or afin que nous ne leur piquions pas d'argent. Depuis 1958, oui. Et à part ça, on attend de vous quelle espèce de tâche? Ah ben, on est plein de tâches. Je veux dire que le plus fatigant, c'est d'organiser la sauterie annuelle. Ça a lieu 30 fois dans l'année au restaurant de la poule qui a pas de peau. C'est pas très facile de trouver un bon coin, vous savez. Je comprends. Ah, ouais, c'est... Mais est-ce que votre prestance pourrait décourager un criminel? Bon, ben dites, vous prenez pour un épouvantail. Ah non, j'ai horreur de me battre. Puis il y a des durs dans la brigade. On oublie toujours Rex, hein. On fixe les yeux sur Rex, alors il grogne. Ben, le son à lui seul, il vous donne des cheveux blonds. Il peut faire claquer les dents, hein. Quand il vous regarde en faisant les... Avec ses crocs et la baffe qui coule, les criminels qui voient ça, ils s'enfuient tout de suite, hein. Rex, c'est votre chien de garde? Ah non, c'est mon beau-frère. Ah, mais c'est une brute sans nom. Et là, il est très costaud, mais il grince des dents, hein. Je les lui dégraisse tous les soirs, les dents. Ouais. Allez, grince des dents. Allez, t'entends? Oh! C'est fini, ce boucan! Vous avez vu la réaction? Oh! Tout de suite, hein. Tout de suite en alerte, alors tout de suite en action. Il ne grandira plus. Ah non, mais quel magnifique pédigré. Et encore, vous l'avez pas vu à poil? Pas encore. Ah bah tiens, on dirait que vous avez un regret, là. Et freudien, ça. On va faire attention à vous. Vous voyez, comme ça, sous sa défroque et son allure un peu démodée, se cachent des nerfs d'acier et des tonnes de poridés. J'ai pas vu des biceps de cette taille, moi, depuis Berthaud Grandpied. Ah ben, détends-toi, mon bonhomme, détends-toi. Dites-moi, pourquoi vous êtes-vous engagé dans ce corps? Ben, parce que celui de ma femme était encore pire. Hein. Surtout, vous voyez, c'est à cause de son chien. Parce que quand il est à la maison, il se prend en famille, il prend tous ses repas avec nous, il pense ça va. Et une fois au travail, vous allez voir. Va chercher, vite. Oh, t'entends? Allez, va chercher. Et oh, pas d'énervement, là, tu m'entends, là? Bon, alors, écoute, tu vas chercher le tu saisis, là? C'est ça. Intelligent, à cet âge-là, intelligent. Je pense que nous allons assister à une démonstration. Ah oui, c'est mais en fait, attention, hein. Elsie, vite, allez, on se dépêche, là-haut. Reculez, attention, les Panchester considérés, hein. Attention au monstre, attention. Doucement. Tiens-le bien, sache. Alors, je vais attaquer la fille, hein. Alors, quand je dirai lâche-le, enfin, le lâche pas avant que je le dise, hein. Allez, lâche-le, vas-y, allez, hop, allez, hop, allez, hein, hop, allez. Non, mais elle demanderait cette boîte, elle est folle ou quoi, lâcher? Enfin, oh, ben, oh. C'est ça, attaque. Non, mais attendez, il va s'énerver. Attaque, César, attaque. Il va aller te faire foutre. Ah, bah ça, je suis désolé, mais c'est... Vous voyez, je pense que c'est la maladie, parce que j'aurais dû le faire vacciner plus jeune. Le chien aussi, sans doute. Et pourtant, il avait réussi à être somme. La reine était ravie. Hein. Je le croyais mieux entraîné que ça. Monsieur ouais, Lafuite. Enfin, il est plutôt jeune. Hein. Monsieur Lafuite. Ouais. Et pauvre chien. Allez. Sans vous le dire, nous avons pris un film de votre équipe en action. Vous avez fait ça? Et nous croyons que vous aurez plaisir à le regarder. Ah, mais j'en serais ravi. Hein. Oh,